Collectivité de tutelle, la région Nouvelle-Aquitaine a versé à l'ensemble de ses lycées 69 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement cette année. De manière forcément disparate, exemple, plus de 300 000 pour Léonard Limousin à Limoges, 950 lycéens, 150 000 pour le lycée professionnel Édouard Vaillant et ses 330 élèves à Saint-Junien. Les 150 000 euros, c'est essentiellement un budget consacré à la viabilisation, hein, eau, électricité, énergie. Il y a également une partie crédit pédagogique. Et c'est vrai qu'en ces temps un petit peu compliqués, c'est un budget qui peut devenir bientôt insuffisant. Car comme tout un chacun, les lycées généraux ou professionnels sont confrontés à une explosion de leurs factures. Au premier semestre, l'électricité a pris 35%. On attend l'évolution pour le second semestre, ce qui nous inquiète un tout petit peu quand même. Au niveau du gaz, on a pris 15% donc en début d'année, bien entendu. Et puis après, sur les différentes charges, la restauration scolaire, c'est en moyenne 10% d'augmentation systématique. Et sur l'ensemble des autres éléments, à savoir la maintenance des bâtiments, l'entretien des bâtiments, on compte 15% d'augmentation. Aussi, la région a voté par deux fois, en avril et en septembre, des aides exceptionnelles d'un montant de 12 millions. Pour des sommes allant de 2 000 à 90 000 euros en Limousin, selon les établissements, rien que pour leur permettre de boucler 2022. Elles sont pour l'instant exceptionnelles, mais c'est vrai qu'il faut se trouver des solutions. Les investissements sur la rénovation thermique est primordial. Je crois que les épisodes que nous vivons sont malheureusement pérennes dans le temps, elles ne sont pas structurelles et qu'il faut trouver des solutions. 1,3 milliard ont donc été engagés ces 5 dernières années pour ces rénovations, dont 5 millions à Édouard Vaillant. L'un des deux bâtiments est refait à neuf et aux normes, pour des économies prévues non négligeables. On avait un bâtiment qui datait des années 70 et qui était une véritable passoire thermique. Je pense que ça va permettre d'économiser plus de 30% de dépenses en termes d'électricité, de chauffage, de gaz, etc. Néanmoins, rénovés ou non, tous les établissements vont aller traquer la moindre économie. Forcément, c'est comme dans une famille, hein. Il y a des priorités. Donc la priorité, ça sera la pédagogie pour les élèves, ça sera l'alimentaire, ça sera le chauffage. Et si effectivement on en arrive à des points très très critiques, il y aura certainement d'autres questions à se poser. Pourtant, des efforts sont déjà demandés sur l'extinction des lumières, des ordinateurs, sur l'emploi des matières premières, même sur les menus. Et la baisse des températures des locaux, elle, est déjà appliquée. Baisser à 19 degrés, la température, c'est faire des économies importantes. C'est 15% par degré, ce qui est absolument monumental. Limousin va même abaisser de 27 à 25 degrés la température de sa piscine, l'une des deux seules en lycée en Nouvelle-Aquitaine. Mais il faudra forcément faire plus, et le futur plan d'investissement de la région planche déjà sur l'autonomie énergétique des établissements via la géothermie, les panneaux solaires ou encore le raccordement au réseau de chaleur.